j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une review, c'est la 13e sur ma chaîne, donc les 12 autres ont été faites au cours de ces dernières et longues années. D'ailleurs aujourd'hui, enfin aujourd'hui non parce qu'on est le 26 décembre et ça sera ma première vidéo de l'année de 2023, mais sachez que ça fait 10 ans que je suis d'Olienne puisque j'ai eu Anna le 24 décembre 2012 et que nous sommes en 2022 encore à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Passons. Donc aujourd'hui je suis très contente de commencer l'année de 2023 par une review parce que c'est pas souvent que j'en fais. Et c'est sur les yeux de chez MC La Shop concernant sa boutique Etsy, mais j'ai vu qu'elle avait un Instagram. Je le compte pas en compte, vraiment sa boutique c'est Etsy. Et son nom c'est MC La Shop, vous aurez le nom dans le titre de la vidéo. C'est une artiste de yeux que j'adore beaucoup et que j'ai sur pas mal de mes paupères en termes de yeux. Donc je vais vous insérer dans cette vidéo toutes les paires que j'ai, hormis celles que j'ai reçues aujourd'hui et que je vais ouvrir avec vous. Je vais laisser le temps de vous montrer toutes les paires de yeux que j'ai avant de déballer ça. Mais pour commencer, les informations positives comme négatives et constructives sur cette vidéo. Déjà, faut savoir qu'elle a quand même, je dirais, à la fois pas beaucoup et à la fois pas mal de choix. En couleurs, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'attendais qu'elle sorte de nouvelles couleurs et je crois que c'est rare qu'elle en fait. Bon, je suis pas mieux, mais en tout cas, il y a quand même un peu de choix, on va pas se le mentir, donc ça c'est bien. À savoir qu'elle habite en Pologne et que personnellement, cette nouvelle commande, je l'ai reçue en 2 semaines et 1 ou 2, 3 jours, donc honnêtement, c'est plutôt rentable de la Pologne jusqu'en France, donc envoi plutôt rapide par rapport à là où elle habite. La communication est très simple avec elle, elle vous répond vraiment très rapidement. Elle est très bien notée, elle protège bien, elle fait les envois joliment. Et des fois ça lui arrive de vous faire un cadeau d'une paire de yeux, ce qui est vraiment très cool parce qu'elle n'est pas obligée. Et moi j'ai eu 2-3 petits cadeaux au cours de ces derniers mois. Faut savoir que tous ses yeux sont en 13 mm et il me semble qu'elle fait aussi des yeux pour Blythe. Je suis même sûre, donc si vous avez des Blythe, je sais pas comment vous prononcez, allez voir. Donc vraiment au niveau du temps, de la protection et voilà, c'est plutôt vraiment correct, c'est même très bien. Et c'est quelqu'un de gentil, donc voilà. Et je vais poursuivre avec les infos, donc je vais ouvrir ça, cette fois-ci. Ça me semble très léger, parce que j'attends 4 paires dans l'enveloppe. Et il faut savoir, le seul truc qui serait bien, c'est qu'elle rajoute comme moi du ruban adhésif transparent tout le long et à l'arrière pour être sûr que ça ne se déchire pas et qu'on ne puisse pas voler. Moi, c'est arrivé très souvent avec mes commandes, malheureusement. Bon, là, elle n'est pas responsable, mais c'est vrai que ça serait bien. Donc, petit point négatif, il faudrait qu'elle protège davantage, du moins, l'extérieur de la commande. Sachant que c'est une lettre à bulle, donc elle protège aussi à l'intérieur, mais c'est aussi bien qu'à l'extérieur qu'à l'intérieur. Enfin, c'est autant mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et il y a une paire qui était prévue pour Rosemé, c'est une tulipe que j'aimerais refaire, sachant que j'attends le kit Emilio d'un de ses frères qui s'appelle Caleb et que je vais faire. Bah du coup, elle aura pas ces yeux-là. Du coup, je vais garder les yeux que j'ai pris pour elle. Hop, donc ça se présente comme ceci. Le seul et vrai point négatif, ça serait qu'elle ne met qu'une seule couche sur ses yeux. J'ai des paires qui, quand on les met face à soi, c'est très transparent. Et ça, faut faire très attention. Vaut mieux mettre 4 couches qu'une, parce que c'est pas ouf de voir que bah, les yeux sont pas remplis. Ça fait pas beau. Déjà, si on le voit en vrai, il y a un risque que ça se voit sur photo et vidéo. Mais sinon voilà, elle travaille proprement. Il y a juste sur la paire que je vous ai montré en amont, qui est celle-ci, où il y a des taches de peinture ou autre sur le devant et que j'ai essayé de gratter, ça c'est pas parti. C'est celle-là qui était prévue pour Sharia, qui sont toujours prévues pour Sharia normalement. Donc voilà, mais sinon elle travaille proprement, hein. C'est pas dégueulasse du tout, sachez-le. Permettez-moi de faire une petite pause. Ouais.
Et aussi, je lui dis, du coup, pour être honnête et sans être méchante, je lui ai souvent dit de mettre plus de couches pour pas que ce soit transparent. Elle ne m'a jamais répondu, mais c'est pas grave. Alors, j'attends 4 paires de yeux. Ah, c'est marrant parce que j'avais hésité à prendre une paire. Et j'aurais pas dû la prendre parce que du coup, c'est pas la couleur que je souhaitais. Sur les photos, je vais vous insérer une photo de sa boutique. Je trouve que c'est plus blanc en vrai. Je suis pas daltonienne, mais dites-moi en commentaire ce que vous voyez comme couleur. Je trouve que ça fait plus blanc. Et du coup, bah en fait, c'est un gris pâle. Donc malheureusement, je vais pas m'en servir. Et c'est pareil pour les lavandes. Regardez le lavande de la photo. Et je vais vous montrer de près tout à l'heure le lavande que j'ai reçu. Pour le rose, parfait. Et pour la paire qui était prévue pour rose mai, que je ne vais pas m'en servir, c'est exactement ce qui est montré sur les photos et dans le descriptif. C'est des yeux verts avec un côté violet reflet. Donc je vais vous montrer ça. Et autre point important que j'ai pas dit en positif, c'est que c'est vraiment pas cher. Et elle fait des codes promo des fois. J'en ai eu pour, et c'est donné 4 paires pour, pourquoi je trouve pas, je pense que j'avais dû payer 17€ ou 18€ le tout, donc bon. Alors, et aussi c'est ouais, très bien protégé, hein, je tiens à le dire. Du coup, bah je vais vous les montrer, c'est parti. La première paire, c'est les blancs que je parlais, je ne trouve pas qu'ils soient de cette couleur, donc c'est les premiers du haut sur les photos. Donc ça c'est un gros bémol, parce que je voulais du blanc pur. Et c'est du gris. Donc eux, je vais les vendre. Ceux d'en dessous, qui sont bizarrement en caméra, ils rendent plutôt un petit peu violet. Mais je vous assure qu'en vrai, ça fait plutôt bah, du gris aussi. Du gris bah, plus foncé que la première paire de yeux. Mais en caméra, ça rend lavande. Mais ça reste quand même toujours pas pareil que la vraie couleur que je vous insère à nouveau maintenant. C'est pas du tout le même lavande. Je m'attendais pas à ce lavande là. Du coup, que ça soit les blancs ou les lavandes, je vais les faire moi-même quand j'aurai reçu mes nouvelles bases pour repartir de belle par rapport à ma boutique Etsy. Parce que je vais changer de prototype et avoir de nouvelles teintes pour l'année 2023. Ce pourquoi ma boutique est en pause. Les blancs, qui j'espérais étaient censés être pour Mira, j'ai toujours les yeux de Mira que je dois refaire dans ma collection. J'ai toujours les yeux blancs par la fabrique d'Ilvesies, j'ai peur de mal prononcer. Mais je vais quand même les faire aussi par moi, comme je propose sur ma boutique Etsy. Donc voilà, les lavandes, c'est pas du tout le résultat que j'attendais, c'est clairement pas la même couleur que sur les photos. Donc je vais les vendre aussi, et je vais les faire moi-même. Parce que j'ai moi-même des lavandes, mais je voulais vraiment avoir des yeux faits par elle pour ma collection. Donc les lavandes, ils étaient censés être pour Brahms, parce que Brahms va revenir par A&M Studio. J'ai pris une private salle que je paye sur 3 fois chez A&M, donc je suis trop contente. C'est vraiment un personnage charismatique et très beau visuellement, qui va changer de la version de quand il était par un Yami Doll auparavant. Donc tant pis, je vais les faire moi-même. Les roses, parfait. Les roses, c'est un vieux rose gold... magnifique. Et les yeux vert violet que je vous parlais, c'est exactement ça qui était prévu pour rose mai, mais que finalement je vais garder mais que je ne vais pas m'en servir. Ils sont quand même très beaux. Donc voilà, cette review sera assez longue. Je pense avoir tout dit, des points importants, négatifs comme positifs. J'ai essayé de mon mieux d'être le plus constructif, pardon, je suis une fille. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à avoir ces infos et potentiellement commander dans l'avenir. Ça reste une boutique que j'aime beaucoup. C'est la première fois réellement qu'elle se... Enfin, même pour les yeux de Chéria, ils étaient plus bleu ciel sur les photos. Et là, ils sont plus foncés en vrai. C'est vrai que ces derniers temps, il y a des petits couacs. Bah, je viens de le recevoir dans cette commande-là par rapport à deux paires. La précédente paire que j'ai reçue la semaine dernière. Mais d'habitude, elle ne se trompe pas. Donc, je pense que son appareil photo, que ce soit de son téléphone ou une vraie caméra, je ne sais pas ce qu'elle a, ça modifie vachement les couleurs, ce qui est un peu dommage. Et après c'est ça qui est chiant avec les appareils, c'est que ça modifie souvent les couleurs. Mais enfin bon, ça reste quand même une boutique formidable malgré tout, je l'adore toujours autant. C'est pas pour ça que je vais arrêter de commander chez elle.
Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut salut.